fait la réunion pour vous savoir. Ça fait la ça fait la ok, je me suis. Donc, monsieur, il y a une configuration que vous avez faite lorsque on voulait que les premiers programmes que ça ne passait pas. Lorsque on voulait faire quoi? Les premiers programmes. Vous avez dans une configuration et tout ça. C'était lequel des programmes d'avant? Le tout premier, bonjour. Oui, ça n'avait pas affiché, vous êtes parti dans un paramètre, vous avez des paramétrages avant que ça s'affiche. Votre programme ne s'affichait pas? Oui, oui. Ça s'affichait pas, mais vous avez fait un paramétrage. Est-ce que c'était le programme qui ne s'affichait pas? C'était pas, comment dire, bonjour, je pense peut-être que je crois que vous parlez peut-être de ce. Des variables d'environnement, ce qu'on allait faire dans propriété. Là maintenant, si vous êtes sur votre propre machine, c'est ça? Non, non, pas encore. La machine est ici. En fait, je voulais avoir le cheminement au cas où je suis bloqué sur ma propre machine. Là, au moins, ça va pas. Propriété, bon, ça, généralement, ça, c'est bon. Déjà, si vous faites votre terminal là, si vous utilisez déjà, si en faisant, comment dire ça, c'est la commande Java là, si vous la faites que ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça dit si vous faites ça, vraiment c'est... ça dit, au niveau de la commande Java, si vous lancez Java comme ça, même simplement comme ça, et que vous n'avez pas par exemple ça, c'est-à-dire les informations qui vont apparaître ici là, si vous n'avez pas ça comme cela, d'accord. En ce moment là, ça veut dire qu'il faut faire la configuration après avoir installé le JDK. Mais si vous avez ces informations, ça veut dire que la commande est reconnue. Sinon, si ce n'était pas reconnu, il allait mettre la commande Java qui n'est pas reconnue. Mais c'est dans le cas où la commande n'est pas reconnue, pour faire la configuration, vous faites propriété sur le PC ici. Propriété, là où vous venez cette fenêtre là. Donc de là où vous venez sur. Vous cherchez à aller sur modifier les paramètres. Vous faites oui. Quand vous allez sur modifier les paramètres, vous allez avoir propriété système affiché comme ça. Okay. Maintenant, vous allez sur l'onglet, cet onglet-là. Dans ce paramètre système avancé. Okay. Vous allez dessus, vous faites variable d'environnement. Variable d'environnement. Voilà. Maintenant, dans la variable d'environnement, vous voyez. Vous restez sur le bloc ici, variable utilisateur. Voilà, et puis vous recherchez, il y a une variable qui s'appelle PAF. Okay. Et c'est là que vous ajoutez le chemin d'installation de votre Java. Moi, mon installation Java, mon installation Java, il est dans ce PAF là. Voilà ici. JDK. Ok. JDK, c'est Program File, Java, JDK. Donc ça veut dire qu'il se trouve ici en fait. Il se trouve dans le C. Program File. Vous cherchez le programme. Vous cherchez le dossier Java. JDK 1.7. Donc c'est ce chemin là qui est là. Que vous copiez dans un ennemi normal de la vidéo ici. Le bin ici. Ok. Donc JDK, le dossier d'installation de l'école JDK, et puis c'est ça que vous copiez pour aller mettre dans. Vous ajoutez ça en variable de PAF. D'accord. C'est voilà, vous faites nouveau. Si vous êtes dans le cas où vous l'ajoutez et que vous faites OK, comment j'ai déjà.
bien ajouté. D'accord. On va aider tout. Ok, d'autres questions? Maintenant, avec cette initiative que nous avons faite, est-ce que on peut développer une application avec? Bon, vous pouvez développer une application, mais déjà, pour développer une application, c'est de comprendre les bases. Une fois que vous avez les bases, après, pour la licence, pour notre numéro licence là, c'est les bases qu'on vous donne. C'est l'initiation à ce domaine. Parce qu'on se dit que certains n'y se sont pas confrontés vraiment ou n'ont jamais entendu parler de ça. Et comme c'est au programme, on passe par, on a besoin de véhiculer les bases. Après, si vous continuez dans votre cursus, effectivement, vous allez aller plus loin quand même dans le développement avec l'interaction avec les bases de données et tout ça. Voilà. Pour développer vraiment une application. Quoi. Mais déjà, il faut comprendre les bases. Parce que c'est le B.A.B.A. Tout ce que vous voyez, c'est ce que vous allez vraiment utiliser dans la conception réelle d'une application de bouton. D'accord. C'est bon. Donc, aujourd'hui, on va continuer. Alors, on s'était arrêté sur, je crois, cette partie-là. La semaine dernière, le vendredi. Alors, voilà, je devais créer ça, ça. On était en train de voir les accesseurs, les mutateurs. Alors, est-ce que au niveau des accesseurs, vous avez tout inséré? Au niveau des... Les accesseurs dans votre programme, vous avez tout inséré, les accesseurs, les mutateurs, les votre classe animale. Oui, je vais l'oublier. Je pense que vous savez, ça va. Vous êtes en train de sourire, vous pouvez en train de sourire. On avait travaillé des choses. Dès que vous allez projeter, comme ça, on va voir où est-ce que vous étiez. On puisse continuer.
Qu'est-ce que tu veux dire? Il pleut ou pas? Il pleut. Je suis descendu là-bas tout à l'heure, il ne pleuvait pas. Ok. Donc on voit où vous êtes. Ok. Donc là c'était la déclaration de nouvel objet. Voilà. Et vous devez utiliser le setter pour modifier la taille de cet animal et puis l'afficher pour voir si la taille a été modifiée. Donc quand vous avez fait, quand vous avez écouté, ça donne quoi? Il y a plus de choses d'écran maintenant. La taille du bureau est de 50 mètres. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez déjà ce qu'on a pu faire ici? Si vous avez compris un peu l'utilité de la fonction cette taille. Oui, ça permet. Ça permet. Oui, mais je veux que vous m'expliquiez la fonction de l'utilité cette taille. Faites un contrôle plus clic sur la fonction cette taille qui est là. C'est-à-dire approcher le curseur qui est là sur cette taille. Non. Sur la fonction appelée le herbivore point. Voilà. Non. Ah. Voilà. Maintenant. Non. Passez le curseur de la souris dessus. Ah, ne cliquez pas. Mm-hmm. Envoyez le curseur de la souris dessus. Ici. Voilà, maintenant maintenez la touche contrôle. Là, vous voyez que vous pouvez voilà, cliquer maintenant sur la fonction. Voilà, il vous envoie où vous avez défini la fonction cette taille qui fait ce travail-là. Okay? Donc, je demandais est-ce que vous comprenez maintenant le sens de cette fonction? Cette fonction, il va, ça peut définir les caractéristiques. D'un objet. Voilà. Définir cette main, l'essence de cette heure, voilà. c'est de modifier justement les caractéristiques, les attributs, de leur affecter des valeurs. Okay. On va faire. Qu'on appelle ça, la notion de getter, vous comprenez aussi? Bon, c'est qu'on a vu. Getter la patrouille. Pas trop. Pourtant, vous l'avez utilisé ici. Attends, revenez dans le programme principal. Voilà. Continuez. Faites système quand vous avez écrit. Non, je veux que vous fermez votre fenêtre de souris de plan de Kaspersky. Enlevez ça. Okay. Oui, scrollez vers la droite. Non, se coller vers la droite. Non, je ne vois pas. Je veux regarder ce qu'on a mis dans l'expression système.print.lm. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? System.print.lm. Voilà, la taille de l'herbivore est. Maintenant. Vous avez utilisé quoi? Oui, getters. Voilà. Donc, get tag est un getters. C'est une fonction getters. Avec ça, vous arrivez à comprendre moins son utilité. Son utilité, c'est quoi? Là, c'est qui permet de définir même. Le contour de l'objet. Non, ça permet d'obtenir la valeur. La valeur de l'objet. Hein? Parce que quand on a utilisé le 7 au départ, et puis on lui a passé en paramètre le 50,
Lui, il veut parler du setters là. Quand on a utilisé le setters pour passer un paramètre de 50, lui, il a affecté la valeur 50 à taille. Okay. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, peut-être pour vous faire comprendre ça, on va aller dans... Comment dire ça? Aller au niveau de la définition de la classe animale. Allez sur animal.java. Réfléchir animal.java. Ok. Sur la taille en haut, la propriété taille en haut, remonter carrément. Remonter carrément, remonter même. On a défini, waouh. Ok. Double taille. Voilà, vous avez vu, ici c'est marqué double taille, non? Ok. Essayez d'affecter une valeur par défaut à ça. À la taille. Et ça va le. Je vais lui affecter, mettez égal. Oui, mettez égal, donner une taille réelle. Oui, 36. Vous avez mis combien? 36. 36, ok. Mais 36 mètres. Non, 36, parce que c'est double. Si vous mettez M, ça sera string. Donc, enregistrer. Maintenant, vous venez dans le programme principal. Vous allez commenter ça. Commenter la ligne herbivore.setTaille. Commenter cette ligne. Herbivore. Là, où vous êtes, la ligne 22. Commentez la ligne. La ligne 22. Okay. Voilà, enregistrer et puis réexécuter le fichier. Qu'est-ce qui est marqué maintenant? La taille de l'herbivore est de 36 mètres. Voilà. Ça veut dire que quoi? Par défaut, la valeur 36 mètres qu'on a donnée là-bas, c'est ce que le guetteur...